Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau au chocolat en type anglais, ultra calorique. Donc, si vous faites attention à votre ligne, je vous invite vraiment à quitter cette vidéo immédiatement. Alors, pour cette recette, vous allez insérer le couteau pour pétrir, concasser et vous allez ajouter 200 g de beurre. Déjà, ça donne le ton, vous avez compris. À ces 200 g de beurre, on incorpore 200 g de chocolat pâtissier coupé en petits morceaux et on lance en vitesse 5-70 degrés pour 5 minutes. Le but étant de faire fondre tout simplement le chocolat avec le beurre. 5 minutes suffisent normalement à cette température. À l'issue des 5 minutes, vous avez votre mélange qui est bien liquide. Vous y ajoutez 175 g de farine, 100 g de sucre. Vous pouvez en mettre un petit peu moins honnêtement si vous souhaitez parce que c'est très très sucré. 3 œufs. Et vous allez mettre l'équivalent d'une cuillère à café de levure. Alors dans la recette initiale, il n'y en a pas. Moi, je vous conseille d'en mettre un petit peu parce que sinon, c'est très, très, très compact et consistant à mon sens. Et vous lancez le programme pâte P3. Dans un moule à manquer, vous allez verser votre préparation. Si vous avez un moule carré, c'est mieux. Ça fait un type brownie. C'est plus sympa pour la découpe à la fin. Bon, moi, je n'en ai pas. Donc, j'ai utilisé tout simplement mon moule à gâteau, mon moule à manquer à gâteau. Vous versez donc la préparation. Vous n'oubliez pas de lécher la spatule. C'est une étape essentielle du processus culinaire et vous mettez au four à 180 degrés pour environ 40 minutes. Je vous invite à vérifier votre cuisson. Voilà, il faut que ce soit cuit, mais pas trop pour que ça reste quand même assez moelleux. Voici donc le résultat. C'est une pure tuerie. Les enfants ont tout dégommé en une journée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!